Le mot vieux, c'est quand même un mot qui m'habite. Vieux avec un sourire. J'ai encore la chance de pratiquer le patin de vitesse. Ça a toujours été une passion pour moi. J'avais 50 ans, puis je jouais pour les Croulants ici au hockey, une équipe de garage. Mais là, tout à coup, je vois, hey, j'ai dit, il y a des petits vieux qui fatiguent. Tout à coup, il y a un type qui rentre. J'ai dit, hey, j'aimerais ça essayer ça. J'ai dit, est-ce que je peux emprunter des patins? Ça s'emprunte-tu des patins? Il me prête ses patins. Jean-Marc Sadlas est obligé de venir me chercher. Hey, ça faisait une heure et demie, j'étais là, ça laisse, puis je patinais. J'ai eu des petits moments où j'ai dû arrêter parce que j'ai subi deux opérations aux hanches, une au genou gauche. Fait que j'ai été une dizaine d'années, là, c'était pas évident. Là. Souvent, je faisais même des petites compétitions, puis je pleurais tellement j'avais de mal, mais je sais pas pourquoi, mais je continuais. Tu sais, j'aime ça, je suis passionné. Puis là, ben, je peux recommencer avec mes deux nouvelles hanches. C'est merveilleux, tu sais. Rendu à un certain âge, faut bien s'alimenter, très, très bien s'alimenter, c'est primordial. Puis aussi faire des bons dodos. Ouais, moi, je suis un peu un accro de la compétition. Quand je suis pas dans le top 5, ben là, je vais travailler pour y être dans le top 5. Alors, je me mets à l'entraînement, puis ah oui, donc. J'ai terminé premier 5 fois. Ma dernière compétition à Insel, en Allemagne, où j'ai fait mon meilleur temps à vie, là, c'était merveilleux, là. Tu sais, je compétitionnais avec les grands Hollandais de 6 pieds. Ici, ben l'an prochain, on va en avoir une compétition internationale. Ma catégorie, ça va être 80-85, c'est sûr. L'ironie, c'est que à 80 ans, on sera pas beaucoup, tu sais. Allô. J'ai bien confiance que je vais être prêt en février 2023. Oui, oui, oui. C'est sûr, je veux toujours terminer premier, mais j'accepte bien de finir deuxième, troisième, quatrième. Mais on est vieux, alors il faut être réaliste, puis bien analyser nos capacités puis pas les dépasser, surtout. Rendu un certain âge, parfois, on se fait mettre sa voie d'évitement, là, facilement. Mais non, on me respecte. De patiner à 80 ans, c'est parce que chanceux d'avoir des bons gènes. Quand je me suis fait opérer pour mes hanches, c'est là que tu peux comprendre que si t'arrêtes durant un mois et demi, deux mois, que faut que tu repartes la machine. Puis plus t'es âgé, plus c'est difficile de partir de la machine. Mais c'est réalisable. Je l'ai réalisé. Je vais essayer de partir plus longtemps possible. Ha 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 ha!